Bonjour et bienvenue dans les tutoriels de The Killer du 44. Donc comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on va faire un canon à propulsion de rail. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un canon qui propulse des wagons dans l'air. Donc nous allons prendre le canon, celui-ci, dont je vous explique. En fait vous m'envoyez un email et je vous fais une vidéo privée. De la construction parce que c'est trop dur, vous n'allez jamais réussir. Donc voilà. Donc ce qu'il vous faut, c'est des rails, beaucoup, des wagons et de la TNT évidemment pour charger, que je n'ai pas pour l'instant, mais c'est pas grave. Donc déjà il nous faut des blocs. Donc on va prendre du gravier, mais c'est pas le mieux hein, parce que le gravier ça veut dire gravier égale gravité, donc c'est pas bon. Mais c'est pas grave. Donc, oui, bah évidemment. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que va falloir faire un chemin jusqu'au bout du canon. Donc, vous voyez, on va passer derrière la redstone parce que sinon, ça va tout péter. Ça va pas être terrible. Donc, pour les rails, vous prenez pas des rails propulseurs, hein, parce que ça sert à rien. Ou alors vous en mettez un par-ci, un par-là, mais ça sert vraiment à rien. Donc voilà. Non, on va pas faire ça. On va faire un truc. Oups, excusez-moi. On va faire une propulsion. Dans le canon, donc comme ceci, voilà. Donc il va monter. Donc le rail, il va falloir qu'il aille jusque là sans tomber dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bloc là. Mais ce bloc, on le retirera hein, évidemment avant de le faire exploser, sinon ça fait des dégâts. Donc on mettra pas de TNT au-dessus, évidemment. Donc, voilà. Ou même, attendez, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Non, comme ça, on gaspillera pas de TNT. Donc excusez-moi, je fais une courte pause. Excusez-moi de cette courte pause, mais comme je l'ai déjà dit, le déjeuner, c'est sacré. Où j'en étais ? Ah oui. Donc en fait, on va plutôt le mettre là, à un cube, pour que le wagon se prenne dedans et s'arrête ici. Parce que après, il va tomber dans la TNT. Ça va pas être bon. Donc voilà, on va faire ça pour faire quelques zigzags. Juste pour s'amuser. Quoi. Mais bon, faut pas que ça dure trop longtemps. Donc ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que ça aille un peu dans la forêt. Et que vous attrapiez un mouton. Un mouton ou une vache d'ailleurs, ou une poule ou n'importe quoi. Parce que c'est plus marrant comme ça. Donc, je mets les rails dans la forêt et je reviens. Donc voilà, donc j'ai placé les rails, vous voyez, ça fait assez long. Et il faut que vous réussissiez à coincer une vache. Donc vous mettez derrière, vous la poussez. Allez! Et ensuite, une fois que c'est sur les rails, vous essayez de la voir. Donc dès que le wagon touchera la vache, elle sera dedans et elle sera emprisonnée. Vous pouvez la sortir de là que si vous cassez le wagon. Bon allez, t'avances toi. Donc ce que vous pouvez faire. Grosse bête plein de poids. Voilà. Ah merde. Voilà, vous voyez, elle est coincée. Donc maintenant, vous la poussez jusqu'à votre canon. Voilà. Allez. Ah, elle va aller jusque devant. Elle va aller, vous voyez, taper contre votre bloc. Donc ensuite, D'ailleurs, vaut mieux aller de l'autre côté. Parce que vous avez déjà cassé
votre bloc. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de redstone. Voilà, donc ensuite, vous la pétez. Enfin, avant de la péter, je vais charger le canon et je vous revois juste après. Donc voilà, c'est prêt. J'ai chargé le canon. La vache est là. D'ailleurs, elle était partie, donc j'ai dû la remettre. Là, quand vous avez chargé le canon, faut pas mettre de TNT au-dessus, évidemment. Même si vous allez casser le bloc après. Vous cassez le bloc. Sans toucher la TNT. Voilà ce que j'ai failli faire. Vous la poussez un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais l'activer de loin. Enfin, pour que vous voyez, je vais me placer là. Attention, boum! Je sais pas si vous l'avez vu partir. Le wagon n'est pas parti. Mais alors la vache, elle a fait un vol plané. Je vous conseille de remettre la vidéo à ce moment-là. Je marquerai ça. Donc voilà. Donc vous avez juste à mettre un wagon. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Le prochain, ce sera un canon à répétition automatique. Ça va être géant. Je ferai en deux parties. A plus. Bye bye.